nouvelle journée du championnat de France de CFA, victoire à l'extérieur. C'est inédit, c'est beau ce qui s'est passé ce soir du côté de Raon-l'Étape, Stéphane. Ouais, c'est important de gagner parce que déjà on voulait continuer notre série d'invincibilité depuis un petit moment. Alors le scénario a fait qu'on a été en difficulté au début, on a pris un but très tôt sur une belle action de leur part. Après voilà, on a eu les ressources pour monopoliser le jeu, pour se créer des situations. On a marqué dans un temps important, juste avant la mi-temps, donc ça nous a fait beaucoup de bien. On a très bien attaqué la deuxième en marquant très rapidement, donc sur une très très belle action collective et vraiment un beau but de Maxime. Et voilà, derrière on a reculé un petit peu, après forcément eux ils poussent un peu. Voilà, on s'est fait surprendre sur un but un peu gag, mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. Mais on a eu les ressources quand même pour aller chercher cette victoire avec deux pénalties certes sur la fin de match, mais voilà, ça fait partie du jeu, les fautes étaient là, donc très content forcément de cette victoire à l'extérieur. Stéphane, toujours dans le top 3, lui de France aujourd'hui. Ouais, on est dans le top 3. On a vu que le Puy a fait match nul, donc du coup on se rapproche 2 à 3 points. Ça tombe bien, on les reçoit la semaine prochaine. Donc on va bien préparer ce match, bien récupérer aussi, parce qu'on a encore 5-6 heures de route derrière, donc avec les organismes et le froid qu'il y a eu aujourd'hui. Donc ça va pas être évident, mais voilà, on a une semaine pour préparer ça tranquillement, se mettre bien dans la tête que... qu'il y a un gros match qui nous attend la semaine prochaine. On espère qu'il y aura du monde vraiment à Villefranche pour nous aider à accrocher cette première place. Stéphane, pas de salle de conférence de presse du côté de Raon-l'Étape. On l'a fait dans un bus cet après-match avec l'écart Maisonneuve qui nous porte bonheur. On improvise, on fait comme on peut. Merci coach, merci aux deux chauffeurs également qui ont été emblématiques pour ce déplacement du côté de Raon-l'Étape. Merci aux établissements Maisonneuve.